Épisode 31, on continue sur la même lancée, on continue sur la même session. C'est parti, cimetière du feu. Cette fois-ci, on était dans la cime du feu, maintenant c'est le cimetière du feu. Et j'espère honnêtement qu'on arrive sur la fin. Ainsi, l'ancien dieu est mort. C'est finalement arrivé. Le sang d'un dieu a ouvert la voie. Bien, Gabriel, très bien. Il n'y a qu'un seul dieu et tous les usurpateurs doivent être éliminés. Le sacrifice de Pan n'a pas été vain. À présent, notre guerrier de la lumière peut accomplir sa destinée finale. Le seigneur des morts est le plus puissant des seigneurs de l'ombre. Gabriel aura besoin de chaque parcelle de son être pour le vaincre. Je m'inquiète pour lui, cependant. Son esprit est fatigué, brisé même. Il se questionne sur sa foi, sur son cœur. Peut-il réussir? Viens, mon ami, avance encore un peu et tu verras Marie à nouveau. Encore une fois, tous ces questionnements, on les voit pas spécialement dans les cinématiques. C'est con qu'il faille absolument lire les résumés d'épisodes enfin de mission pour comprendre un peu ce qui se trame dans sa petite caboche. Donc nouveau Lord of Shadow dans cet épisode peut-être. En tout cas, on se dirige vers lui. C'est parti. Toujours dans le Blue John Canyon en attendant. Ok. Je fais comme si j'avais rien vu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je passe au travers du décor. Ok. D'accord qu'en vrai, c'est ça que je dois faire. Voilà. Bref, on n'a rien vu. Des sacs d'os. Il y a forcément un truc là, voilà. C'était pas mal ça. Deal. Mais non, mais non, mais non. J'imagine que c'est bien par là-bas. Mais pas comme ça, visiblement. Merde, c'est... Ah, peut-être par là. Voilà. Ok, pas de panique. Et dire qu'on se plaignait des plateformes de Darksiders 3. Hein. Ok, magie de la lumière, pourquoi pas. Et maintenant? C'est tout, y a rien ici? Alors là, s'il y a un truc à l'infini, c'est qu'il doit y avoir. S'il y a des coups d'œil à l'infini, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à faire avec ça. Mais quoi? La suite, c'est par là. Exact. C'est exact.
Là, on dirait vraiment Dante Inferno, par exemple. Tout à fait le panorama, genre de panorama qu'il y a dans ce jeu. Dans cette œuvre, que dis-je? Raté! J'ai vu la lumière trop loin, enfin trop tard. Ah bah ça va, j'ai même pas eu besoin de ma chaîne. Oh non, 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 non. Le truc le plus infernal du jeu est de retour. Non, j'ai aucune envie de jouer à ça. Dire qu'il y a ça aussi dans le 2, quoi. Ils ont gardé un tel élément de game design, enfin de gameplay, je ne sais que dire, enfin je ne sais comment, on va dire, décrire cette infamie. J'ai juste envie d'arrêter de jouer là, en fait. Sans déconner, hein, vraiment, je suis sérieux. Enfin, c'est tellement navrant, quoi. Ouais, c'est ta tête qui va fumer dans quelques secondes, tu vas voir. Il n'y a que la mort qui m'attend. Les feux de l'enfer brûlent et il n'y a pas d'échappatoire. Le Seigneur des Morts voit tout en moi. Je suis ici à combattre les créatures qui ressemblent à des cadavres. J'entends des cris de torture de mes frères et mes compétences semblent inutiles contre la plupart, sauf contre les plus faibles d'une d'entre elles. Le fait même de se concentrer demande une compétence extrême. J'implore les cieux de m'aider. Je crains de ne pas être à la hauteur de la tâche. Attends, ouais, y a pas grand monde qui l'est hein, dans cette confrérie de ces morts. La chaleur est insoutenable, je ne sais pas si je pourrais y arriver. Sans Gandolfi et son incroyable création, je n'aurais jamais pu aller aussi loin. Qu'il soit protégé, lui et l'élu. Que nous soyons protégés du sortilège. Quand ils disent l'élu, est-ce qu'ils parlent de moi?
Allez, petit moment confession, c'était pas du tout difficile comme énigme, il fallait juste se concentrer un petit peu, mais on va dire que commenter tout en résolvant une énigme est un exercice encore assez compliqué pour moi, donc voilà, j'ai un peu pété un câble, j'ai dû faire ça du coup hors caméra entre guillemets, enfin hors commentaire, je vous l'ai fait du coup en accéléré. Mais là on est parti, on continue, on finit le chapitre 10 pour cet épisode 31 et on finit ça au crématorium. Ambiance. Alimenté par les flammes de l'enfer. Alors par contre j'ai augmenté un peu le son du jeu parce que j'ai trouvé que dans l'épisode 30 c'était un peu bas. Et du coup ça me gueule aux oreilles, je suis obligé de faire comme ça. Bref, on s'en fout. Alimenté par les flammes de l'enfer, le crématorium est le lieu où le fossoyeur exécute sa besogne abominable. Le fossoyeur, un puissant démon dont l'énorme pelle peut fendre un homme en deux, rien que ça, déchirera l'âme de Gabriel s'il en a l'occasion. Cependant, j'ai le sentiment que notre héros est de taille face à cette créature. Cela pourrait être intéressant. Je sens que la rage de Gabriel monte en lui et je me demande qui est le plus terrible, notre héros ou ce démon. C'est ce que nous allons voir. Ah, il nous attend déjà de pied ferme. Il a un bon style, j'aime bien. Ah ouais, d'accord. Oh la vache. Vous avez débloqué l'entrée en vestiaire du personnage, d'accord. Pour l'instant, on va pas commencer à consulter nos bouquins. Bon, écoute, viens ici. Voilà, pour toi. Ah oui, d'accord, il a même invoqué des cercueils dégueulasses. Oh là là. Juste au moment de la guillotine. Ah, il y avait longtemps qu'on l'avait pas fait celui-là. Wouhou, c'est stylé. Par contre, j'ai bien usé toute mon énergie de la lumière. Oh, c'était joli ça. Dommage que j'ai pas eu le temps de lui mettre. Oup, op, op. Ils sont beaucoup trop coriaces pour ce que c'est, ces trucs-là. Dites-moi dans les commentaires si faire un peu de Tekken, ça vous branche ou pas. Parce que je rejoue pas mal à Tekken en ce moment. Notamment en ligne. Il y a eu pas mal de mises à jour aussi sur ce jeu récemment. Donc ce serait simplement des combats, hein, des combats commentés. Enfin, j'essaierai de les commenter en même temps que je joue, ce qui serait pas une affaire très facile pour moi. Hop, purée. L'évite avant qu'il disparaisse. Ça m'emmerde. Je vais pas vous mentir. Allez. Il y avait longtemps. Un petit peu overkill, mais c'est pas grave. Oui. Tu vas connaître la souffrance. Il est assez glauque comme invocation, je trouve. Voilà. Terminé, bonsoir. Hop. On récupère des petites obénites. J'espère que j'aurai encore droit à ces fameux cristaux. Parce que c'était bien sûr un one shot. Je rappelle qu'on en a qu'un seul et unique. Et que quand on l'utilise, c'est fini. Rappelle un petit peu le
le démon avec l'espèce d'énorme casque triangulaire qu'il y a dans Silent Hill. Allez! Ah oui, onde de choc, c'est parti, ouais. Il y a encore masse d'ondes de choc avec ce boss là. C'est pas grave, on va faire avec. Pas le choix. Oh là là. Oh purée, bon. Va falloir que j'apprenne bien sûr son pattern. Je vais pas faire trop de sonneries. J'ai du mal à esquiver ce qu'il fait. Il y a des trucs là-bas. Est-ce que peut-être. Ah non, il perd de la vie, je vois. Donc il y a rien. Il fallait que je continue comme ça. Je vais essayer de terminer ce jeu une bonne fois pour toutes avant la fin d'année. Ça serait cool. Oh purée. Non. Chope-le, chope-le. Ça permet de temporiser, je rappelle. Hein. Petite chope à la chaîne. Et en plus de récupérer des bougoules d'énergie, de la lumière. Comme ça on récupère un peu de vie. Et c'est pas du luxe, comme vous pouvez le voir. On continue. C'est reparti. On lâche rien. Ah ça va, ils m'ont redonné quand même ce que j'avais en magie juste avant de commencer le combat. C'est pas dégueulasse, pas dégueulasse. Ah génial. Oh j'ai géré. Mec qui prend le temps de se congratuler, s'auto-féler, s'auto-félationner. Merde. Oh bordel. What? C'était quoi ça? Ouais, ça sert à rien hein, des fois ce truc là. Tiens, je vais en utiliser une, voir ce que ça donne. Au moins, ça mettrait un bouclier, même si ça fait pas grand chose sur lui. Il perd bien sa vie là, on maîtrise bien notre sujet là. Nice. Super efficace. Merde, ça c'était un peu moins intelligent. Ça aussi. J'ai quelques nouveaux coups, hein. J'ai quasiment tout acheté, il me reste genre une attaque à acheter dans tout, dans les attaques spéciales. Bon, de là à dire que je sais tous les faire, enfin toutes les faire, c'est... Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes et c'est jamais des... C'est jamais la même chose, quoi. C'est des combinaisons un petit peu particulières. À mon goût, en tout cas. C'est là qu'on voit que par exemple dans DMC, il y avait masse combo avec énormément d'armes différentes. Mais malgré tout, t'étais jamais perdu, t'arrivais toujours à déchaîner tous ces fameux combos, tous les fameux combos de Dante. Et c'est là, je trouve, pour moi, qu'un beat'em up est réussi. C'est quand t'arrives vraiment à te faire plaisir avec tout le panel d'attaques que t'as débloqué depuis le début et au final, ça donne des combats vachement énergétiques. Non! Bon, on va la refaire. Avec le sourire. Toujours. Après, celui-là, c'est pas un beat'em up. Hein. Clairement, c'est plutôt un jeu d'action-aventure. Hein. Ils avaient jamais dit que ce serait un beat'em up, même s'il lui ressemble beaucoup. Puisqu'il ressemble à God of War, etc. Il y a des éléments de God of War, de Devil May Cry, de Shadow of the Colossus pour les petits colosses. Ils se sont vraiment inspirés d'un peu tout pour faire... Ce bon petit jeu, hein, mine de rien, il est sympa, même si des fois je rage un peu. Parce que, effectivement, tout ce qui est plateforme et Chupacabra, voilà. Je pense que c'était les pires idées du monde. À ne plus jamais réitérer. Je fais n'importe quoi. J'utilise vraiment tous mes pouvoirs pour rien. Donc on va continuer de se concentrer, je vais me taire un petit peu. Merde, je pensais qu'il en restait encore un. Ah là, une longue chauve, en fait. Allez, on reste concentré, là ça se passe pas trop mal. Ah, c'est beau ça, c'est beau.
C'est ça le beau jeu. Il est presque foutu, j'espère qu'il n'y en aura qu'un seul. Ah, ça y est. On progresse. Comment ça? Alors là-dessus, tu ne peux pas m'avoir, j'annonce. Ces boules d'énergie qui sont à moi. Oh purée quoi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Non. Comment ça? Mais putain, c'est quoi ces conneries là? Il était censé être fini là. C'est vraiment du plaisir ce jeu, hein, je disais tout à l'heure, voilà. J'adore ce jeu. Ils ont vraiment pris un peu de tous des bons jeux pour n'en faire qu'un seul, hein. Shadow of the Colossus, Devil May Cry, God of War, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais vraiment sans regret. Hein. Nice. Alors la fumée, j'espère qu'il n'y a pas autre chose à faire là. Ah non, faut peut-être que j'ouvre la à droite là, l'espèce de... Oui, ça doit être ça. Je me comprends. Vous avez vu l'espèce d'objet à faire tourner là avec... Pendant qu'il est sonné, il faut que j'ouvre la porte en fait. Ça y est. Illustration de ce que j'étais en train de dire. C'est ça qu'il faut faire. Et pas se rater. J'espère qu'il va rester étourdi assez longtemps. Voilà. Et là, il y a moyen qu'au lieu de se cogner contre la porte, dos à la porte, il tombe dans le trou. Bingo. C'est du génie. Forcément, jamais rester à côté du trou quand t'as fait tomber ton ennemi, surtout quand il peut lancer des tentacules. C'est chaud. Ok. S'en sort pas trop mal. Clairement, je... Ah ouais, la lave est en train de monter, j'avais pas vu ça. J'étais en train de dire, clairement, à cette hauteur-là, la lave, tu la sens quand même bien passer. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Mais bon, on est Gabriel Belmont. On n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, la scène de fin de ce jeu, je sais pas si vous la connaissez, mais... Restez avec nous, vous verrez qu'elle est chouette. Même si c'est pas pour tout de suite, ce sera pour encore dans 4 ou 5 épisodes. Je pense qu'il nous reste, ouais, à peu près 5 épisodes. C'est l'arène de boss finale. On n'en est pas loin en tout cas. Terminé ! Chapitre 10 terminé ! Voilà, j'espère que ça vous plaît. Pour les quelques-uns qui sont encore en train de suivre ce fameux LP le moins vu de la création. Mais en tout cas, pour ceux qui continuent, merci beaucoup. À la prochaine. Je ferai pas le. Je pense pas que je ferai Darksiders Genesis. Hein. Quelqu'un parmi vous m'avait demandé, m'avait posé la question. Mais ouais, c'est un can-slash, c'est une vue du dessus. Et je suis pas hyper fan de ce genre de jeu. Même si c'est vrai qu'il a l'air bien sympatoche.
Mais faut voir. Je vous promets rien du tout, de toute façon, voilà. Mais voilà. En gros, voilà, je risque pas de le faire, je pense pas. En tout cas, on verra bien. Bref, ça c'était de l'info. Merci, bon courage si vous allez travailler, bonne nuit si vous allez dormir, et à la prochaine pour l'épisode 32. Salut, salut.